Globalement, aujourd'hui, la Corse est enkystée dans une situation critique. Nous avons des assassinats, de la violence, des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, une terre qui se vend, qui nous échappe, une langue qui est en train de disparaître. Donc c'est une situation très préoccupante. Mais au quotidien, ce sont des gens qui se lèvent, qui travaillent, qui réfléchissent, qui ont des idées, qui portent des initiatives, qui les développent, qui les mettent en place, qui produisent et qui exportent. Et non seulement ils travaillent pour nous, c'est-à-dire pour la Corse, mais ils travaillent aussi pour que la Corse soit reconnue ailleurs. Et ça, je pense que c'est quand même la majorité des Corses. L'espoir est là, dans une Corse que l'on doit construire, une Corse que l'on doit construire autrement. Le politique n'est que la courroie de transmission du peuple. D'abord, le politique doit entendre ce que dit le peuple, doit le traduire avec sa propre action. Parce qu'aujourd'hui, la Corse que nous voulons, celle où nous défendons notre langue, notre peuple, notre terre, eh bien c'est cette Corse-là qui doit trouver une place dans l'Europe des identités, dans l'Europe des différences. Hein. Et c'est pour ça que nous devons, cet écho, il doit être entendu à plusieurs niveaux. Si on veut que demain la Corse s'épanouisse, je crois que la première des choses, c'est construire la paix. Ensuite, c'est passer par des outils politiques, hein, qui sont eh bien, ces évolutions institutionnelles, pour qu'on se réapproprie notre terre, pour qu'on ait les outils pour maîtriser cette terre, pour que la langue qui est la nôtre, au même titre que le français, puisque nous serions dans une co-officialité, puisse être eh bien, la langue que tout le monde utilise sur cette terre, et que l'on vive Corse. Voilà, que l'on vive Corse. Quand on est une femme politique ou un homme politique, on est obligatoirement porté par l'optimisme, sinon on ne fait pas de politique. En tant que femme, oui, je le suis aussi, bien sûr. Je dois surmonter mon vécu personnel pour trouver l'optimisme. Pour autant, parce que je veux construire, parce qu'avec d'autres qui partagent les mêmes idées que moi et qui sont convaincus que la Corse que nous aurons demain, que nous aurons construit ensemble demain, doit être autre chose, eh bien, me permettent d'aller vers cet optimisme. Mais évidemment, je vais chercher des forces au plus profond de moi-même.